Bonjour chers internautes, bienvenue sur ma chaîne News TV. Veuillez vous abonner pour ne rater aucune nouvelle vidéo. Hello la famille, c'est comment ici? Je vous ai marre taper le direct. Ouais. Mais c'est comment ici là? Je vous ai marre taper le direct. Ah, c'est comme ça que ça s'est passé maintenant. On prévient plus, on me pas en même temps. Ok. Commencez à partager le direct parce qu'il y a beaucoup de choses qui vont se dire aujourd'hui. Voilà. Les non-dits vont se dire. Et puis aujourd'hui, c'est un dimanche, donc pourquoi ne pas profiter avec vous? Bon dimanche à vous chez vous là-bas. Voilà. En attendant que vous montez, je vais mettre le son, le cliquer sur j'aime. Voilà, qui est sorti il y a 2 jours seulement. Voilà. Commencez à partager le direct, ben, ça sera très 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 cher aujourd'hui là. Voilà. Avant garder le goût arrivé la bouton, j'arrive au kiké si j'ai mon âme même pas le temps. Avant garder le goût arrivé Venise, j'arrive au kiké si j'ai mon âme même pas le temps. Avant garder le goût. Dosé, 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 dosé. On est venu, ça j'ai évoqué. Dis-lui dans ton casque, caché par le tigre, sur la notification du Rubidoka. C'est comment? Ouais, 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 ouais. Ça fait longtemps, on n'a pas parlé. Hein? Partagez le direct et puis montez. Tu n'entends pas bien. Ben Giga connu. Vous n'entendez pas bien. Il n'y a pas trop mis le volume aussi. Hein. Youssef Fofana, c'est comme élément. Bon pompier aussi. Hein. Maliki, Maliki, bon pompier. Cherchez-le. Hein. Le but de frapper une petite passe sur RT. Voilà, j'entends des danseurs cliquer si j'aime. Quand vous n'entendez pas bien chanter en même temps, vous allez entendre. T'as demandé à danser papa et maman, vous allez danser tout ce qui se vit là-bas. Yoko! Attends, bon, mais fais mon pas, mais c'est à 6 mètres, puis le son passe. Mais comment ça se fait? Oh. Voilà! J'espère que vous connaissez déjà la danse, ça vous montre comment ça se danse. Hein? Ok. Hey. Hey. Je, Asi qui danse. Ah. C'est pas dur. Doucement, petit pas. Hein? Vous cliquez sur Ah, que ça va être visible. Elle va suer dedans. Nous, c'est pas. Dieu, Dis-nous, c'est Broly, ça va, c'est le bail, que moi, j'ai même pas avec mon flow. Dieu, c'est vrai tout ici là, c'est que le clip là, vous n'allez pas regarder. Ah, c'est que vous le...
Allô? Allô? Vous m'entendez bien là? Vous m'entendez là maintenant? On n'entend pas le son. Vous m'entendez bien là? Y a bon volume maintenant, non? Comment le son est coupé? C'est bon là? C'est bon là? Vous m'entendez maintenant? Zo? Ok, il n'y a pas de souci. Donc, partagez le direct là dans beaucoup de groupes. Et puis, on va parler de beaucoup de choses. Hein. Voilà. On va parler de tout. Comment le projet a vu le jour. De cliquer si j'aime. Comment ça a vu le jour. D'où l'inspiration est quittée. Et puis, les projets qui vont être d'actualité. Voilà. D'abord, pour commencer, ils vont essayer ton gars super, non super. Il est là, il va très bien. Il va très bien. Bon. Aujourd'hui, je vais vous parler de mon son. Mon son est sorti. Je vais cliquer si j'aime. Normalement, je devais être en duo avec super, non super que vous connaissez bien. Vous-même, vous avez remarqué qu'il n'est pas sur le morceau. Voilà. Ce n'est pas parce qu'on l'a écarté du groupe, non. C'est parce que lui-même, il a décidé de se faire écarter. Voilà. On peut travailler ensemble. Mais quand tu as un pied dedans et puis tu as un pied dehors, c'est deux pieds dehors. J'espère que vous comprenez bien ce que vous dites. Et ils sont en train de dire, autant pour moi. Pourquoi Super n'est pas sur le projet? Parce que, je vous explique. Parce que moi, pour moi, c'est une question d'ego. Voilà. Vous-même, vous lui avez fait des reproches quand il faisait ses directs, ses sorties un peu bizarres. Voilà. Où il a même dit à Sidi qui diabaté autant que moi, qui voulait empoisonner Arafat, tout ça là. Vous avez vu le direct. C'est pas moi qui ai revenu encore remuer le couteau dans la plaie. Voilà. Par rapport à ce direct, il y a plusieurs personnes qui nous ont fermé les portes. Comme le vieux père Mokobé, comme ça. Qui causait beaucoup avec nous. Quand il a vu que le petit a commencé à faire des directs un peu bizarres, il y avait beaucoup de personnes qui nous approchaient, vous voyez. Et ces personnes-là ont décidé de se retirer de nous. Parce que quand lui il fait, ça déteint sur moi. Vous comprenez, non? Voilà. Et lui et moi, on était un peu en froid lorsque le vieux père Mano de Mano est venu nous approcher et nous a demandé. Qui voulait qu'on fasse un son ensemble, Super et moi. Voilà. On s'est mis tous d'accord. On a dit, bon, si on doit entamer une nouvelle carrière en tant que chanteur, il faudra se mettre à fond. Parce qu'on ne nous a pas connus comme ça. Voilà. On ne nous a pas connus en tant que chanteur. Donc, il faudra vraiment, vraiment se mettre à fond. Et ici, ce n'est pas comme ailleurs. Ici, il y a le Covid. Il y a les confinements et tout, vous voyez. Mais malgré tout là, malgré la situation, comme on le dit, quand tu veux faire quelque chose, il faut te donner les moyens de le faire. Voilà, il faut te donner les moyens de le faire. Le gars, c'est dans cette optique que le gars nous a approchés. MDM Production nous a approchés. Et il nous dit, ah, je voulais que vous fassiez un duo, Super et toi. Que ça va donner, vu que vous êtes les anciens danseurs d'Arafat. Vous êtes restés avec lui jusqu'à ce que, bon. Ce qui est arrivé est arrivé. J'ai beaucoup aimé ta manière de danser. Dans l'ensemble, laissez-moi me concentrer sur mon truc. Et quand il regarde vos commentaires là, même dans là, ça me mélange. Donc, il était disant, c'est dans cette optique-là, M2M Production s'est approché de nous, nous a approché autant pour moi. Et nous a dit, je voulais que Super et toi, vous fassiez un son. D'abord, quand le grand frère il est venu vers nous, c'était de grand frère à petit frère. C'était de l'aide qu'il venait nous donner. Voilà. Et donc, on a échangé. On a bien échangé avec le vieux père. On s'est mis d'accord. On dit, OK, il n'y a pas de souci. On va faire le duo. Maintenant, le vieux père nous a demandé, bon, vous voulez que votre son ressemble à quoi? Parce que lui, il a un studio à Abidjan. Il a une structure à Abidjan. Voilà. Il a son arrangeur là-bas qui travaille, qui a travaillé même sur le morceau, sur le cliquer si j'aime. Guigui H, l'arrangeur. Ah.
Il nous a demandé comment vous voulez que votre morceau soit. Normalement, c'était. Si on nous demande, c'est parce que nous sommes deux. Voilà, il nous a demandé. Et on lui a dit. On lui a fait la proposition. Et le beat, c'est moi qui ai réfléchi sur le beat. J'ai fait le yaourt, comme on le dit en termes musicaux, j'ai fait le yaourt et envoyé à l'arrangeur à Abidjan. Ils ont travaillé dessus et ils ont ramené ça en France ici. Maintenant, on avait eu l'instru. Il restait maintenant la danse. Nous sommes deux. Pour la danse, là, il y avait moi et Super. On a reçu l'instru 2 mois avant qu'on rentre en studio. C'est-à-dire, pendant les 2 mois, là, chacun devait bosser de son côté parce que nous ne sommes pas dans la même ville. Voilà. Moi, je suis à 1 heure de Paris, à 2 heures de Paris en voiture. Lui, il était à 45 minutes de moi ici, je crois. Il est à 2 heures, 3 heures de Paris. Vous voyez, donc on a reçu l'instru 2 mois bien avant qu'on rentre au studio parce qu'il y avait le confinement ici. Vous comprenez? Mais pendant le confinement, ça ne voulait pas dire qu'on ne voyageait pas. Ils n'avaient pas interdit quelqu'un de voyager. Tu peux voyager, mais tu dois être muni d'une attestation autant pour moi. Merci, gros bébé. Oh, tu es trop bonne. Excusez-moi, je vais avaler un peu. Voilà. Père aujourd'hui a décidé de vous expliquer tout parce que le son est sorti. Ça a mis du temps à sortir. On a fait des vidéos, des personnes qui ont fait des démos pour nous envoyer tout ça. Pour le respect de toutes ces personnes et pour le respect de tous ceux à qui on a parlé du son, on se devait de vous faire sortir ce son-là. Voilà. Parce que c'est pas le premier son, c'est pas le dernier. C'est l'un des sons. Il y a beaucoup de choses. Voilà. Les critiques que vous allez mettre sur le morceau-là, on va prendre ça pour travailler les autres morceaux. Donc, il disait concernant Super. On a reçu l'instru 2 mois bien avant de rentrer en studio. On devait bosser, chacun devait essayer d'écrire ce qu'il avait écrit, voir comment l'esprit du morceau et tout et tout. On n'avait pas encore la danse. Donc, un jour, moi, j'étais en train de me promener avec mes gars. On était assis dans un petit parc ici, là. Et moi, j'ai mis le beat. On a commencé à bouger. Et comme ça, la danse est rentrée dans ma tête. C'est venu un coup. Et il a dit, tiens, quand j'ai fait la danse, mes amis ont dit, ouais, mais c'est joli, hein. Donc, j'ai dit à mon gars, filme-moi. Quand il m'a filmé, j'ai envoyé la vidéo à Super. 2 mois bien avant qu'on rentre en studio, hein. Écoutez bien. Hein. Et il dit, ah, frère, ça, voilà la danse qu'il a vue sur le son. Parce que nous sommes deux à réfléchir dessus. Ce n'est pas moi ce qui ai réfléchi. Voici ce qu'il y a eu sur le beat. Regarde si c'est bon. Si ce n'est pas bon, là, que tu peux envoyer ta touche ou créer un autre pas. Tu fais tout qu'on fait, c'est la même chose. C'est nous deux à gérer le mouvement. Quand ils lui ont envoyé la vidéo, le gars me répond, il me dit, ah ouais, que la danse est top, c'est joli, c'est facile à danser, comme ça, comme ça. Ok, fais une vidéo, et puis tu m'envoies le son, et tu m'envoies ta vidéo, autant pour moi, sur le beat. Il m'a dit, ok, il n'y a pas de souci, ok, il n'y a pas de souci. Nous sommes tombés dans les 2 mois du confinement. Vous voyez? Il a eu 2 mois pour faire une vidéo de 30 secondes. Est-ce que vous comprenez? Ça, c'est un d'abord. Entre-temps, pendant qu'on avait fait, moi j'avais fait la démo et je lui ai envoyé là. On avait tracé un programme où on devait commencer à faire les challenges. Parce qu'on était en tête déjà confiné 2 mois, on ne peut pas rester pendant 2 mois sans rien faire. C'est comme si on passait aux oubliettes. Donc on dit, ah tiens, comme il y a le confinement actuellement, on ne peut pas bouger et tout. Prenons la danse là, commençons à montrer aux gens en même temps, bien avant que. Et tu parles vite, ralenti, sois relax. Je suis très relax, frérot. Je suis très relax. Donc, vous voyez. Donc, on a eu 2 mois pour faire la promo, bien avant que le son ne sorte. Vous comprenez? Le gars, il a eu 2 mois pour me faire une vidéo de 30 secondes. On avait mis une date à laquelle on devait lancer les challenges. Et les challenges devaient commencer par moi, ma vidéo et la vidéo de Super. On devait faire un collage. Le jour J de la vidéo, le gars n'a pas envoyé la vidéo. Vous comprenez? Donc, moi, j'ai lancé le challenge.
Parce que depuis bien avant, même quand on lance le challenge, il y avait des choses qui se passaient en bas déjà. Vous voyez? On n'a pas venu tout étaler sur la toile ici. Donc, quand on a lancé le challenge, il a appelé le producteur directement. Il dit au producteur que Riff veut s'accaparer le son. Pourquoi Riff balance la vidéo du challenge? Le producteur lui a répondu là-bas que mais on avait tracé un programme. On ne peut pas suivre le programme en fonction de toi. Parce que ici, là, chacun a ses problèmes. Voilà, chacun a ses problèmes, chacun gère sa crise. Comme on le dit, chacun gère sa crise. Vous voyez, lui il a dit qu'il avait sa crise à gérer et tout. Mais on ne peut pas mettre la vie, c'est-à-dire la vie privée et le travail, ça ne colle pas. Voilà, ça ne colle pas. Si moi j'ai décidé de chanter sur le morceau, moi seul, là, c'est parce que je suis gamé. Voilà, bien avant que mon menton ne décède là. Lui et moi, on était déjà sur un projet de ce genre de choses. Vous comprenez? Voilà. Il était déjà gammé dans ma tête qu'il veut chanter, il voulait chanter. Et je suis très bien conscient que la musique là, c'est un son qui te fait péter. Oui. Mais avant de faire un son qui a te fait péter là, tu peux faire au moins 15. C'est l'endurance et puis la motivation. C'est tout. Si tu es motivé à faire quelque chose, rien ne peut t'empêcher. Vous comprenez? Donc, quand on a balancé le challenge, autant pour moi, quand on a balancé le challenge, le gars, lui, il était fâché. Parce que moi, j'avais demandé des vidéos aux personnes et tout. Lui-même, sa propre vidéo, toi-même le concerné, tu n'arrives pas à faire toi-même ta vidéo pour envoyer. Vous voyez? C'est comme si toi-même, tu t'auto-boycottes. Donc, on a commencé le challenge. Il a appelé le producteur. Il est allé se plaindre là-bas. Le producteur m'a appelé. Vous voyez? Ah, Rufi, voilà ce qui se passe avec Super. Qu'est-ce qui se passe? Pendant que le gars lui-même, il savait ce qui se passait. Et il en a fini de parler. Moi, Super, après, il a appelé Super de côté. Il lui a dit, ah, frère, ça. Parce que lui, il est parti dire au producteur que moi, je vais prendre le son pour faire de ça, moi, sur mon son. Vous voyez? Donc, après, il a appelé. J'ai la note vocale ici, même dans mon téléphone. Tout ce qui est en train d'avancer ici, là, il y a toutes les preuves. Voilà. Vous comprenez, non? Il a envoyé une note vocale, il a dit, ah, frère, ça, faut pas penser que là, il prend le truc pour faire pour moi seul. Non, mais il peut pas aller à ta vitesse. Il peut pas aller à ta vitesse. C'est pas parce que tu as un problème que je vais ralentir le truc, non. Toi, tu peux me suivre dans l'élan. Vous comprenez, non? Toi, tu peux me suivre dans l'élan. Mais ce n'est pas à cause de ton problème en stopper ce qu'on a mis, on a déjà montré aux yeux des gens. Non. Vous voyez? Et il m'a dit, non, il n'y a pas de souci, que frère, sans y a compris ce qu'il y a sur là. Il a commencé à me mettre au taf, il n'y a pas de souci. Le gars a commencé à doser. C'est-à-dire, quand il a fini, quand lui et moi on a fini de parler de ça là, tout ce qu'on disait à Super, c'est-à-dire, quand lui dit, va faire shooting photo, viens chanter pour le studio, viens faire temps. Il n'a jamais eu le temps. Voilà. On vous avait donné une date où le son devait sortir. Je crois que c'était en janvier, non? En janvier, un truc comme ça, où le son devait sortir. Si vous dit que le jour même le son devait sortir, là, c'est le jour où on a reçu les voix de Super. Parce que lui, il avait chanté à Toulouse. Voilà. Moi, j'étais venu chanter à Paris. Il a eu ses problèmes. Il s'est retrouvé à Toulouse. Où le producteur même lui a dit là-bas, je vais payer ton billet. Viens chanter. Et Super qui sort de sa bouche que Arafat avec Davido, on fait featuring. Davido était aux États-Unis, Arafat était à Abidjan, et puis ils ont chanté, ça a pris. C'est-à-dire, de l'étape de duo là, on passe à featuring. Vous comprenez? Donc le producteur lui a dit, il n'y a pas de souci, il lui a envoyé de l'argent. Il lui a pris un studio là-bas pour qu'il chante. Il a chanté. Le jour où le son devait sortir là, on a poursuivi Super jusqu'à c'est le jour où le son devait sortir là. C'est là qu'on a reçu ses voix, qu'il avait fini de chanter là. C'est là qu'on a reçu ses voix. Est-ce que c'est quelque chose de sérieux? Quand vous-même vous voyez là, est-ce que c'est un truc qui est sérieux? Est-ce que c'est logique? Vous comprenez? Il y a eu ça. Et il y a eu encore mon histoire de la garde à vue. Là. Parce que tu ne peux pas dire que tu es avec moi.
Et puis tu mets tout pire en sardine. Non. Et puis tu mets ton pire en soudine. Ça peut pas se faire ça. Voilà. Tu peux pas être moi et puis tu as mis. Ça veut dire, on est dans le même projet. Tu dis aux gens, ouais, on est dedans. Et puis derrière là, tu dis, ok, il connaît poteau qui va taper. Ça là, ça se fait pas. Voilà. Ça se fait pas. Soit on est ensemble, soit on n'est pas ensemble. Vous comprenez? C'est dans cette gamme là que Super a été cadré du projet. Sinon, c'est pas parce qu'on a quelque chose en cœur contre lui, non. Personne n'a quelque chose en cœur contre lui. Et après ça, quand on lui a dit, bon, c'était comme tu n'es pas professionnel, tu n'as pas fait le truc, on va te capter du projet. Le gars, il m'a bloqué. C'est-à-dire qu'on n'a plus rien à se dire. Ok, donc Griff, il va chanter seul. Si on vous dit pour que le son là sorte là, tout le temps qu'on vous a dit, ça a sorti, ça vient. C'est pas pour faire porter le chapeau à quelqu'un. Mais c'était par rapport à Super. Voilà. Le producteur ne voulait pas le retirer du projet parce qu'il dit il a commencé la communication avec nous deux. Donc, retirer Super du projet là, ça allait être bizarre. Mais où on pense qu'il a fini de creuser là? Il creusait toujours encore. Où on pensait qu'on a atteint le fond là? Lui creusait encore toujours. Vous voyez? Donc, on était obligé de le mettre à côté. Voilà, on a fait 5 mois dans cette histoire-là, en train de lui courir après. Viens être tes voix, viens chanter, viens faire tant. Fais shooting. On lui demande de faire shooting pour la jacket du son. Shooting, là, si vous envoie les photos que le gars a envoyées là, mais vous-même, vous allez dire, ouais, ça c'est de là. C'est de la merde. Voilà, c'est de la merde. Mais on n'est pas là pour trop parler de lui aujourd'hui. Ça, c'était par rapport à pourquoi il n'est pas sur le son. Voilà. Moi, j'ai commencé le truc d'amener, cliquer si j'aime sorti là. C'est comme ça, il y a des sons qui ont venu. Voilà. Il ne demande pas l'argent à quelqu'un pour aller au studio. Non. Il ne demande pas aussi à quelqu'un de venir m'aider pour chanter. Non. Chanter là, c'est parler, non. On va écrire. On va aller chanter. Et pourquoi j'ai chanté seul sur le morceau? Parce que c'est pas parce qu'il n'y a pas des gens qui sont talentueux en France ici. Vous-même, vous savez qu'il y a beaucoup. Nous-mêmes, ceux qu'on appelle nos grands frères qui sont ici, qui sont très talentueux. Voilà. Que moi, perso, j'ai approché par rapport à mon son. Mais ils m'ont pas fait de retour. Ok, il n'y a pas de souci. La vie, là, c'est toi et puis ton destin. C'est pas quelqu'un qui va venir prendre ton destin à ta place, non. Toi-même, il faut prendre ça en tes mains. C'est dans cette gamme-là, ici, parti, et puis j'ai chanté mon truc, tranquille. Voilà. Vous comprenez, non? Maintenant, concernant la production, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui m'ont envoyé des messages pour me dire pourquoi le son n'est pas sur mon YouTube et tout. Bon, pour commencer même là, avec des bases, même avec la production, même là. Il n'y a pas de contrat écrit. Voilà. Il n'y a pas eu de contrat écrit. C'est que du verbal. Voilà. Rien n'a été écrit, signé quelque part, que Riffiera. Non. Voilà. On se donne un peu de. Ça veut dire que chacun aide. Voilà. Le vieux père, lui, il m'aide. Moi aussi, et le Sutra aussi. D'une autre manière. Voilà quoi. Voilà. Donc c'était un peu ça. C'est par rapport à ça que je voulais vous parler. Il dit quoi? Laissez tomber tout ça, c'est ton frère, la famille. Mais si frère là même là, lui-même il me bloque. Et moi pas te courir après. Hein? Voilà. Parce que si... Tu dis que tu es mon frère. On te dit, viens faire duo. Et puis toi, tu m'envoies dans gamme de featuring. C'est que tu n'es pas mon frère. Quoi? Les gens, hein? Maintenant, ils voulaient parler aux gens qui ne partagent pas. C'est-à-dire les pages qui ne partagent pas l'actualité des gens quand c'est bon, là. Il parlait à Eloge Fest Magazine, sa tête chauve là.
Voilà. Et l'autre chose, Marazine, je sais que dans le direct, ça, là, tu as peut-être quelqu'un qui est connecté. Parce que vous surfez sur toutes les pages des gens. Quand il y a eu mon histoire de garde à vue, là, ici, là, c'est-à-dire vous êtes prêts à prendre tout ce qui peut nuire à la vie des gens pour poster sur votre page. Mais ce qui peut faire avancer, là, vous n'êtes pas prêts à partager. J'ai commencé mon truc de cliquer si j'aime là. Il y a longtemps, hein. Il y a bien longtemps, bien avant même que je ne sois même en GAV et tout. Mais quand vous avez vu l'histoire de la garde à vue là, vous avez téléchargé ça, vous êtes parti mettre ça sur votre page. Oh, tu m'as rendu noir encore ici en même temps. J'avais lui qui a parlé de nous, on va sortir ici encore pour venir dire que ceux qui sont noirs là, ils sont comme ça. Voilà, donc il est en train de dire. Hello First Magazine. C'est Riffi Doka, voilà, chorégraphe au Feu d'Aï Chicane qui chante aujourd'hui. Voilà, mon lien là, si tu prends et tu mets ça sur ta page là-bas, ta tête chauve là, ça va rien t'enlever. Voilà, ça va rien t'enlever. La vidéo de Bébé sans os, où ils l'ont pris là. C'est sur ma page, tu es parti prendre pour aller mettre sur ta page. C'est-à-dire que tu te balades, vous vous baladez sur les pages des gens. Quand il s'agit de poster quelque chose pour faire avancer là, vous n'êtes pas prêt. Mais quand c'est pour nuire là, là vous êtes champion. C'est ma pine, vous attendez sur Facebook avant de partager. Il vient de cliquer si j'aime, non? Il y a feuille. Il n'y a pas de souci. On va commencer à vous montrer, série. Ne faites pas, hein. Souvent quand on vient s'asseoir sur Internet ici, vous parlez doucement, là. C'est pas là. On respecte beaucoup de personnes. À cause de certaines personnes, on se retient souvent. Hein. Sinon, là, un peu plus bas bien même que lui-même que vous avez eu peur de lui là. Voilà. Un peu plus bas bien que lui-même. C'est comme ça que vous êtes resté garder le nom d'Arafat ici jusqu'à. Vous qui avez tué Arafat là, c'est vous les médias de la Côte d'Ivoire. Vous les pages là. Les loges First Magazine, les qui encore là même là. Vous les pages qui êtes là pour, c'est-à-dire pour poster les trucs bizarres sur les gens là, c'est vous qui êtes tué à Arafat. C'est pas quelqu'un d'autre. Mais vous planez sur page et tout le monde. Vous voyez l'actualité de tout le monde. Quand ça ne vous intéresse pas, vous ne partagez pas. Mais quand quelque chose vous intéresse, sans qu'on ne vous demande, vous prenez maintenant, vous partez déposer. C'est Dieu qui a vous récompensé. C'est pour ça ta page là, ton frère a piraté ta page là. Ne demande pas parole à quelqu'un pour partager, non. Si c'est bon là, ils vont partager. Voilà. Et puis moi, je considère que là, c'est un pied dedans, dans la musique. C'est deux pieds en même temps. Les gens sont trop méchants. Sont trop méchants. Au-delà, les artistes pleurent. Personne ne passe à la télé. Vous avez mal, il n'y a pas gombo, quelque part, rien. Nous, on est ici là même là. On veut des plus que fou même. Parce qu'on ne sort pas, il y a Covid-19. Confinement, on doit rentrer à 18h. On fait les petits sons. Ce que vous pouvez faire là, c'est de partager au moins pour nous donner la force. Mais vous partagez ce qui va nous nuire. Ça vous dit que vous contribuez à quoi? Vous contribuez à gâter les gens. Vous contribuez à gâter les gens. Moi, en tout cas, si
de la manière, cliquez si j'aime à commencer là. Et puis, il n'est pas vu, vous avez partagé mon truc là. C'est comme ça aussi, quand il voit des trucs bizarres me concernant, si des pages, en tout cas, arrangez-vous quoi. Voilà. Parce que là, convocation, on peut envoyer tout le monde, même étant ici, tu peux convoquer quelqu'un. Voilà. Non, mais vous n'êtes pas prêt à partager lien des gens. Vous n'êtes pas prêt à partager les trucs pour faire avancer l'homme là. Si moi j'ai vu moi ma vie, c'est-à-dire si il y a un truc bizarre qui se passe sur moi, ben vous n'êtes pas paparazzi de quelqu'un. Hein? Vous n'êtes pas paparazzi de quelqu'un. Vous faites ça là, c'est pour vous-même vos, c'est pour vous-même vos pages, pour avoir la visibilité sur vos pages, la même visibilité que vous donnez, c'est-à-dire vous donnez, vous prêchez le faux pour avoir le vrai. Vous êtes là, vous prenez les trucs bizarres pour poster, pour nuire aux gens, pour que vous votre, c'est-à-dire comment dirais-je? Comment je vais expliquer ça, pour que vous votre notoriété là monte, c'est ça non? Moi le jour qu'il y a un truc bizarre encore si moi me concernant, c'est que soit la page qui a posté ça là, convocation, un bic rouge même, voilà, convocation un bic rouge, notez ça, hein? Notez ça pas là, en commençant à devenir plus bête même que l'homme même que vous avez eu peur de lui là, c'est comme ça à devenir même là, voilà, parce qu'on vous a trop respecté. Plus jamais une page ivoirienne va se lever encore pour mettre du n'importe quoi si moi Rufy me concernant. Même s'il y a ma pin qui est sortie dans sex tape quelque part là-bas, là, partagez-vous ça dans WhatsApp là-bas. Mais si moi j'ai vu ça sur internet, si page quelqu'un, pas un particulier, mais une page telle que First Magazine, I Love You Coupé Décalé, les trucs comme ça là. Ah! C'est que ça, c'est djinzin. Ça, c'est djinzin même. Ouais. Mon vieux, mon autorité, papis. Tu es là. Tranquille, tranquille, la famille. Voilà. Il y a beaucoup de choses à dire. Hein. Il y a beaucoup de trucs qui me font mal actuellement. Assez même. Assez de choses, mais il n'y a pas tout dit ici en même temps. Voilà. On a dit un peu, un peu. On a dit, faut être dedans pour voir. Et on a dit, moi, il n'a pas encore commencé même là. Petit son qui est fait sortir là. Il voit déjà. Mais premier gaou n'est pas gaou, c'est deuxième là qui est sauvage. Et ça vous oubliez. Moi ici là, voilà. Ici là, et puis c'est que là, mon vieux père me regarde, et puis il est moi. Il est comme mon bouclier, il est là, donc il n'y a pas quelqu'un. Voilà. Envie de chanter, vous pensez que non, c'est pas Arafat et moi qui s'est tombé sur moi, quoi. Non. Il n'y a pas encore fini de faire mon deuil, dans ma douleur là. C'est ça qu'il y a à mettre maintenant là-bas. Il préfère chanter que de venir insulter les gens. Mais ceux qui sont insultés là, c'est ceux qui postent du n'importe quoi sur les gens pour nuire aux gens. C'est eux. Voilà. Parce que vous ne partagez pas les trucs pour faire évoluer l'homme. Vous êtes là, toujours prêt à descendre les gens. Vous êtes prêt à descendre les gens. Mais pour les remonter là, non. Vous n'êtes pas prêt. Et c'est ce que vous avez voulu faire à Didier et puis il est décédé. Ben vous êtes resté en train de faire. Ne faites pas dire des trucs. Si Daichi s'est suicidé là, c'est à cause de vous. Voilà. Ben moi, je considère ça comme un suicide. Si c'est suicidé là, c'est à cause de vous. Ben ces derniers moments là. Ces conseils qu'il faisait là, vous n'étiez pas là. Ou bien, les chaînes ne le jouaient plus. Tout ça là, c'était pourquoi? Pour qu'Arafat tombe en faillite. Et puis, ceux qui sont contre lui là, ils vont venir le debout. C'est ça, non? C'était ça la gamme, non? Et puis, vous êtes ressenti faire des magouilles jusqu'à dans ça là. Il est parti, on ne peut plus arranger.
que ce soit les chaînes ivoiriennes, les pages ivoiriennes, vous allez avoir la mort de beaucoup d'artistes sur votre conscience. Voilà. Vous allez avoir la mort de beaucoup d'artistes sur votre conscience. Donc, ressaisissez-vous. Voilà, ressaisissez-vous. C'est qui est celui-là? Il y a un de mes sons qui est sorti. Voilà, le cliquer si j'aime est dehors. C'est Rufi Doka qui a chanté jusqu'à la fin. Vous allez trouver des critiques, il y a Foy. Mes critiques là, on se sert de ça pour avancer. Voilà, rien. Tout peut pas être parfait. Non, si vous êtes venu commenter, vous avez dit c'est trop bon là, c'est que c'est pas bon. Et puis, c'est pas Michael Jackson aussi pour faire un son qui est tellement propre. Non, mais il y a confiance en ce qui est fait. Restez branchés parce que les clips arrivent. Voilà. Restez branchés parce que les clips arrivent. Vous allez voir la détermination et la rage, la colère. Là. Voilà. On ne cherche pas à être premier ou à être deuxième. Non, on cherche à être dedans. Et puis d'abord, ça, avoir de l'oseille. C'est de ça qu'il s'agit. Sinon, qui est premier là? C'est pas composition. Non, si elle casse les papous là, c'est pas bon. C'est la chanson maintenant casser papou. Il y a beaucoup de personnes qu'on a dans le viseur. Voilà. Ceux qui disent qu'ils ne sont plus de la Eurogang et puis ils viennent se servir des gens de la Eurogang pour avoir buzz là. En tout cas, soyez prêts. Rufi Doka est là. Voilà. Rufi Doka est présent. Je suis là. Et puis, je serai toujours là. Tant qu'il y a le souffle de vie là. Ma gorge là. Il est tout déposé, craché là dans le micro là. Vous allez écouter. Voilà. C'est de ça qu'il s'agit. Le son est sur YouTube. Et puis, tu peux regarder aussi. En légende là-bas, il y a le petit lien qui est là-bas là. Tu peux appuyer. Donc, que tu vas faire. Tu vas aller là-bas direct. Hein? Voilà. Soutien depuis le Como. Ah ouais. Chaud, hein. Non, pour l'instant, on n'a pas encore déposé. C'est Deezer Spotify. Voilà. C'est un truc pour venir tester le terrain. Mais hein, ce qui vient derrière là. Jawala. Ah Seigneur, Madonna mia, grâce à Seigneur. Ah putain. C'est bien sûr, il y a des trucs qui arrivent. Voilà. Il y a des petits trucs qui arrivent. On va mettre. Hein, en plein dans le mille. Bah, comme le vieux Pogo le disait. Doucement. Très précis, comme une balle de 9 mm dans la tête. C'est ça, on vous fait. On va te soutenir. Ouais, mais si tu es soutenu, il faut commencer à partager d'abord le lien là. Partage comme hein? Faut faire ça comme communion. Partage à toute ta famille. C'est qui ça là? Jolie Jocelyne. Tu vas pas là? Yves Conan, maintenant tu fais quoi ici? Tu me dis va danser. Pourtant toi tu es sur mon direct, champion. Tu as mal à la tête, hein? Faut te boire, faut prendre un petit comprimé. Non, j'ai pas. J'ai pas ça. Tu me demandes d'aller danser. Pendant que toi-même là, tu es sur le direct, tu fais quoi ici? À t'appeler. Le gars a mis pisolé sur ta tête, il faut t'arrêter ici. Veux le bœuf, hein? Yves Conan. T'as ton nom même. On te trouve au marché. Ignam, Conan. Al-Mustapha, il dit ton frère ça là. Vrai, vrai. Avant là même, il ne m'inspirait pas confiance. Non, c'est la vie. Hein. Concernant bébé sans os. Bah. En fait, si on ne vous revient pas sur l'histoire bébé sans, c'est parce que les informations sont tellement floues. Voilà.
Les infos sont tellement floues qu'on ne sait pas, on va vous dire quoi. Sinon, ça, c'est encore bloqué derrière là-bas. Voilà. Il est encore derrière les barreaux. Ils ont dit qu'ils devaient payer une caution. Je crois qu'ils ont envoyé l'argent, mais apparemment, il y a d'autres choses encore qui sont en bas que nous-mêmes, on ne sait pas. Qu'est-ce qui se passe? Voilà. Nous sommes tous inquiets. Hein? Voilà. Nous sommes tous inquiets. C'est question de rentrer dans les réseaux de chacun. Ce qu'on a fait, ce qu'on pouvait faire. Bon, comme on ne peut pas faire grand-chose. Les vieux permis qui sont au courant de ça, il n'y a pas quelqu'un qui bouge le petit doigt. Ce n'est pas Rufi qui peut débloquer la situation. Moi, il ne fait que passer le message. Parce que quand vous avez vu la vidéo, il y avait une semaine déjà qu'on l'avait prié. Voilà. Il avait envoyé la vidéo à quelqu'un et la personne a gardé la vidéo sous prétexte qu'il voulait protéger l'intimité des sens. Voilà. Et quand moi j'ai reçu la vidéo, moi j'ai balancé pour que les autorités au moins aient l'œil dessus pour essayer de régler. Mais jusqu'à présent, rien n'a été fait. Voilà. Et moi-même là, ça me fait un peu flipper parce qu'il a été dans la même situation que lui. Voilà. Donc il est encore là-bas. La diaspora africaine du Paname va toujours te soutenir pour donner l'exemple au frère du bled. Ouais. Merci Dylan Adams, Darrell. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Parce qu'il y a beaucoup qui viennent s'asseoir sur Internet ici. Et moi nous vivons. Et puis c'est les mêmes là. Ils ont fini à torpiller l'homme en bas. Les vrais sorciers. Ouais. En tout cas, la Yorogang m'a montré beaucoup de choses. Voilà. Et dedans même là, il y avait sorcier là, il y avait ça autour. Et puis on était dedans. On était au milieu même. C'est-à-dire, c'est dans moyen, et puis tu enlèves moyen. Vous êtes dans ça. Ah. Il fallait que le baobab tombe pour que chacun de vous puisse voir un peu qui était telle personne, qui était telle personne. Merci, jolie Jocelyne. Le conseil au palais de la culture, c'est pour quand? C'est pour dans plusieurs moments. Quand elle fait au moins 15 sons comme ça, là. Ben, apprêtez-vous, chaque 2-3 mois, ça a sorti maintenant. Bon, apprêtez-vous, hein. Je ne sais pas de m'amuser, hein. Djawala. Oye. Attendez, elle met un peu le son, vous allez écouter, Père Adrien. Vous là, vous croyez pas à Dieu. Dieu. Faut cliquer sur il ouvre ton casque à cheval, il reçoit la notification des rives de disciples du commandant Zabra en route pour rappeler tous les fuyards du coupé décalé. Dis-moi, c'est quoi ta gamme? C'était des sorciers, je sais que vous allez comprendre. Rives de Kala, c'est Broly Zama, si le maïko fond, je m'impose avec mon flow, ouais, tu vas danser avec la même école, le manaba, les mêmes flows. Le beat te fait danser, on est là pour ça, j'arrive, faut cliquer si j'aime. Pour faire danser, c'est pas la peine de chercher loin. Le but de frapper une petite passe en sueur. Ok, elle m'a dit. Alors, debout en avant, pied droit devant eux. Papa et maman, si ils habitent là-bas, oh. Tu veux dire ça vous c'est l'avant de la Yorogang qui a dit le microphone. Petit Rukanka, tout cas, bloqué là-bas, debout en avant, ce qui t'a, ah, non! Doudou Kaya, comment ça s'appelle celui-là? C'est Rivi Doga qui s'amuse en studio, tu veux pas, tu vas danser, mon ami, Ah, tu me demandes si les chants étaient super, quoi? Ouais, super!
Il va se lasser à côté de moi ici. Tu l'as vu, non? Super. Moi, j'étais aussi. Il va là, vous avez. Ah, c'est qui là, c'est que. Hein? On va répondre un peu encore. Une fois, non? Pour contrôler le mouvement, il faut un peu la rage dans ta musique. Non, t'inquiète, ça vient. Ça vient. En fait, pourquoi le son là, il n'y a pas trop de rage dedans? Ben, il y a eu trop de problèmes dessus. Voilà. Il y a eu trop de problèmes sur le son là. Vous comprenez, non? Voilà. Et on vous avait trop fait attendre. Vous voyez, non? C'est pas un album quand même, c'est un single. Et un single qui fait au moins 5 mois, 6 mois avant de sortir. Vous voyez qu'il n'y a plus d'engouement, vous voyez, non? Mais il n'y a pas de souci. Comme le son est déjà sorti là, hein? Donnez-moi la force. Il y a juste la force, c'est tout. Si il a vu ce son là, ça a dépassé ce qu'il veut atteindre là. En tout cas, il vous donne au moins jusqu'à au 10 mars pour vous faire au moins 100K. Voilà. C'est tout ce qu'il vous demande. Si vous, c'est le défi quand c'est lancé qu'elle a là. Si jusqu'au 10 mars, le son fait 50K, il fait sortir ce qui est derrière maintenant, sans réflexion. Voilà. Donc là, soyez prêts. C'est la rage, vous voulez, non? Et vous montrez que moi, mais il y a la gale même. Tellement ça a dépassé la rage. Est-ce que moi, c'est des galeux? Amusez-vous. Ouais, écoutez encore. Alors. En tout cas, moi, si ça passe dans mes oreilles bien là, moi, ici, zo, hein. Ah, oh. Maman! T'as le gars! Dosé, on avait dit ça, j'avais pas cliqué si, disciple du commandant Zabra, en route pour rafler tous les fuyards et du coupé décalé. Tu me torpilles en soutien. Vous allez comprendre. Ribitoka est là. C'est Broly Zamas, il est maïcophone. Je me pose avec mon flow. Ouais, tu vas danser avec la même école. Mon abat, la même flow. Le beat là, tu vas danser. On est venu. Ça j'ai eu vos cliquets. Si j'aime, on a même pas le temps. On va gâter le coin. On est venu, ça j'aille vous cliquer si j'aime, on n'a même pas le temps, on va gâter le coin, rupé la bouteille, j'aille vous cliquer si j'aime. Le beat est frappant, mais tu passes à sûreté, voilà, t'entends des danser, cliquer si ok, mets le lien de ta chaîne YouTube, tout est en haut, tu n'as qu'à monter seulement dans la légende là, le lien là-bas, tu cliques, tu partages, frérot, voilà. Donc c'est le défi quand se lance, jusqu'au 10 mars, je serai dans vos comptes. Voilà, chaque soir, on s'y prenne. C'est vrai que souvent, là, il vous dit, il a fait des directs, mais la situation se passe un peu bizarre. Vous voyez, non, l'homme propose et Dieu dispose. Vous comprenez, non? Voilà. Mais c'est le défi qu'il vous lance. Jusqu'au 10 mars, si vous avez rappelé le son, excusez-moi. Ouh, ma gorge. Belle gorge. Si vous ramenez le son jusqu'à 50K, d'ici le 10 mars, là, ce qui sort derrière là. Ne vous amusez pas. Hein. Il y a beaucoup de papos qui sont frères qui ont sorti dans la chanson. Hein. Sans blague. Hein. Sans blague. Voilà. Ils ont fini de donner pour eux sur Internet. Voilà. Ils ont fini de dire. Et même pour moi, si CD. Et puis vous allez vous promener ça dans clé USB. Dans vos voitures. Donc soyez prêts. Si vous ramenez le son là. Ce son là. À 50K. Du coup, au 10 mars, je vous fais sortir un nouveau son encore. Voilà. Actuellement, là, on est en train de tourner le cliquer si j'aime. Le clip est en train d'être fait. Restez tranquille. En barra, doucement, étape par étape. Voilà. C'est petit à petit que l'oiseau fait son nid. Mon papa, c'était un champion, non?
Donc vous allez savoir qu'il a... Il y a champion derrière champion. Le numéro 1 marche derrière le numéro 1. C'est comme ça. Le grand numéro 1 prend le petit numéro 1 pour avancer. C'était ça la devise de la Eurogang. Voilà. Donc c'est le défi qui est là. Partagez le... C'est d'ailleurs direct ça là. Si vous voulez là, ne partagez pas. Hein. Mais le lien là, partagez. Voilà, c'est ce qu'il vous demande. Oh Dieu, vous êtes mal tapé. Hein, le direct. En est 5 et quelques, on a touché presque le 200. Ça, il ne vous a pas dit qu'il fait direct. Il vous est mal tapé qu'on boit. Mais, pour ramener la nouvelle à ton voisin, dis à ton voisin que là, ça a chauffé. Voilà. Et que le son de Riff, là, on doit mettre ça à 50K. D'ici le 10 mars. Une fois que ça atteint les 50K, là, il répète et puis il insiste. Hein. Si elle vit jusqu'au 10 mars, le son a touché 50 000. Il y a un loup papo qui a sorti que vous n'allez pas croire. Voilà. Mais ça a sorti dans la chanson. Donc soyez prêts. Et puis là, balancez les trucs. Voilà. Balancez. Partagez partout comme communion. Dès que tu dis bonjour, quoi. Hey, tu as écouté le nouveau son de Riff là. C'est bon, hein? Tu lui donnes ça là-bas, boua, ça n'a qu'à... Hein? Allons à ça, Soma. Voilà. Si c'est danse là, c'est déjà là. Ne pensez pas que la Riff a pris un peu de... Non, c'est le froid là qui a fait qu'il dormait un peu. Hein? Voilà, sinon la danse est là. C'est enfant de Sikoji, Yopougon. D'accord? La danse est toujours là. On crée les pas, on met beat, on vous fait danser. Cliquez si j'aime là, c'est déjà bon. Non? Vous allez déjà commencer à adhérer, à mettre le pouce devant. Non? Il n'y a pas de souci. Vous n'allez pas croire qu'en fait sortir danse ou en danse, c'est un genou seulement. Merci Lassana. Ouais, Lassana Diomandé. Merci beaucoup, frérot. Voilà. Il y a beaucoup de papos qui ont se cassé. Ouais. Ceux qui ont Yako maison. C'est ceux à qui ils ont fait Yako maison. Là. Il y a des choses qu'on se dit sur eux. Voilà. Par exemple, moi, je considère que là, quand il y a décès, il peut te faire Yako, il peut te donner maison. Là. Quand on donne maison à quelque chose, là, c'est récompense. Moi, je ne considère pas ça comme Yako. Voilà. Chacun fait son deuil à sa manière. Vous comprenez, non? Ça fait peut-être ça fait 2 ans maintenant que l'élément est parti. Mais chacun fait son deuil à sa manière. Chacun sait ce qu'il a dans le cœur. Voilà. Donc les gars, il n'y a pas trop prendre votre temps aujourd'hui. Il y a trop pris même. Aujourd'hui est dimanche, demain. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui doivent aller au travail. Ils vont se reposer et tout. Voilà. C'est le défi quand je lance qui est là. C'est 4K jusqu'au 10. Il y a l'autre qui sort derrière. Voilà. C'est ça maintenant. Chaque 2-3 mois là. On sera d'actualité si le son. Donc restez branchés. On va écouter une fois. Et puis là, ceux qui veulent m'appeler, là, vous pouvez m'appeler. Hein, tranquille, vous allez me poser vos questions au calme. Voilà quoi. Je suis là. Mais il ne reste pas beaucoup de temps. J'ai fait au moins encore 10 minutes avec vous là. Le temps que ceux qui veulent m'appeler m'appellent. Et puis je vais retourner où j'étais. Je vais retourner à côté de. Hein? Ma baba. Ah ouais, bébé oh! Bébé oh! Bébé oh! L'enfant dort! Alors, maintenant tu me dis ta fille dort en direct, tu as fait ça toi seul. Donc c'est un peu ça hein, qui fait un peu le cliquer si j'aime. Voilà. C'est de ça qu'il s'agit. Il s'agit de Riffy cliquer si j'aime. Moi, mais ça te réel, mon mouvement. Ah, le Daishikana ou là-bas, vous parlez de quoi? Je vais la pousser, j'ai eu cliquer si jamais on a même pas le temps, on va garder les quoi, il va venir, j'ai eu cliquer si jamais on a même pas le temps, on va garder les quoi. Ou ben? Ah bon, d'accord. Talangue!
Debout en avant. Asiki boule, Dieu. Asiki danse, asiki boule. Devant, derrière, bloqué, il ne peut pas trop augmenter. Mon bébé a été dormi. Ou bien le but fait bouger, tirer pas. Alors, attendez, maman, danser un peu avant de vous laisser. Ouais, mais merci. Les maquis sont fermés, on n'a pas de temps d'aller prester en boîte avant dans la maison pour du gaya. Tous les bars sont fermés, on n'a pas de temps d'aller faire promo dehors, on va danser chez nous dans notre salon. Tempo, vous êtes à tempo quoi, non? Bon, ok, la famille, c'était moi, voilà. Partagez le mouvement, comme je vous l'ai dit, jusqu'au 10 mars, si on a touché les 100K, vous savez, hein? Voilà. On a ça, mais puis là, que Dieu vous protège. Bon dimanche à vous, chez vous, que Dieu vous bénisse, on a ça. Veuillez vous abonner pour ne rater aucune nouvelle vidéo.